Salut à tous, French John de retour sur YouTube pour des nouvelles vidéos. Ça fait un mois que j'ai posté la dernière vidéo sur YouTube. Il y a eu énormément de changements en ce qui concerne beaucoup de choses de ma vie que je vais justement parler dans cette vidéo aujourd'hui. Alors vous allez voir que l'environnement est différent parce que je ne suis plus domicilié en France. C'est une chose et je vous expliquerai tout ça pourquoi. Et il fait chaud, il fait très très chaud et c'est bien, c'est même très très bien parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui vivent le froid de l'Europe. En France particulièrement, donc force à vous, vraiment vraiment force à vous, parce que on n'est pas du tout ensemble. Mais bon, trêve de plaisanterie, rentrons dans le vif du sujet. Alors ça fait à peu près quelques années que j'ai ça en tête, mon projet de départ, parce que justement je fais toujours du convoyage auto, je ferai toujours du convoyage auto. Donc ne vous en faites pas pour ça, je serai toujours dans le convoyage auto. Mais ça faisait quelques années que j'avais besoin de sortir en fait de la France, enfin du moins du système on va dire européen et tout ça, et surtout l'atmosphère plutôt que le système, plus l'atmosphère que le système. Mais il fallait que je parte en fait de là parce que ça faisait quand même des années que ça me pesait, que je faisais le convoyage auto. J'ai toujours aimé faire le convoyage auto, mais l'atmosphère était vraiment pesante depuis quelques années. Et du coup, j'ai pris la décision de déménager définitivement et de partir de la France pour retourner à mes origines. Donc, je suis Martiniquais. Je suis né en Martinique et j'ai décidé de retourner en Martinique. D'une part pour me ressourcer déjà, et d'autre part pour avoir un autre horizon. Alors j'ai choisi la Martinique parce que je suis martiniquais déjà, c'est sûr et certain, mais c'est surtout en dehors du fait que il y a la famille et ce genre de choses, mais c'est surtout parce que j'étais déjà parti aux Antilles et je me suis très très bien senti. Et à chaque fois que je vais aux Antilles, je me sens vraiment bien. Donc du coup, j'ai décidé de repartir et de vivre définitivement. Alors, le côté positif, c'est qu'on est quand même sous la juridiction française. Donc tout ce qui est Pôle emploi ou France Travail, enfin je ne sais plus comment ils appellent ça, bref. Donc c'est à peu près le même système. Tout ce qui est et l'assurance maladie, ce genre de choses, c'est à peu près pareil. Le régime est différent, mais c'est à peu près le même système. Donc en soi, ce n'est pas vraiment perdu. Et la seule différence qu'il y a vraiment entre la France et les Antilles, c'est qu'en Martinique, la vie, elle est chère. Elle est vraiment chère à cause de l'octroi de mer et puis tous les produits qui ont été importés des Antilles. Donc c'est vrai que c'est cher. Mais à côté de ça, la vie, elle est beaucoup plus simple dans le sens où il fait bon, en fait. Donc il fait chaud. Bon, pour les gens qui préfèrent la chaleur, ils seront servis aux Antilles. Pour ceux qui n'aiment pas trop la chaleur, voilà. Mais pour moi qui suis un fils du soleil, j'avais besoin de la chaleur. J'avais besoin de chaud, j'avais besoin de l'environnement chaud. Cette histoire de moins 5, moins 10, c'était pas pour moi. Et ça faisait un moment que je contemplais cela. Et du coup, j'ai fait le pas, j'ai sauté. Et aujourd'hui, je suis en Martinique. En ce qui concerne les vidéos de convoyage auto, j'en ferai toujours. Je donnerai toujours des conseils. C'est simplement que je serai dans un autre environnement. Enfin, dans une autre atmosphère, on va dire, entre guillemets. Mais je continuerai quand même à faire des vidéos sur le convoyage auto. Donc, ne vous en faites pas pour ça. Je ne compte pas quitter le convoyage auto. Ce n'est pas parce que je suis allé en Martinique que je vais arrêter le convoyage auto. Donc, certes, ce ne sera pas le même système en France, donc je ne serai pas là à aller, je sais pas moi, en Allemagne ou je sais plus où, et venir en France ou autre. Certes, je ne ferai pas ce genre de choses,
En revanche, avec l'expérience que j'ai acquise dans le convoyage auto, ben, je ferai toujours des vidéos sur le convoyage auto. Je donnerai toujours des tips et astuces et puis des conseils. Donc ne vous en faites pas pour ça. Mais cette vidéo, c'était pour dire aux gens justement que j'ai déménagé, que je ne suis plus en France. Donc maintenant, je suis en Martinique. Donc vous allez voir que quand je vais commencer à faire des vidéos, vous allez voir que c'est pas pareil. Voilà. Je faisais des vidéos avec ma voiture ou pendant que je conduisais ou ce genre de choses. Aujourd'hui, le thème, on va dire le background, sera vraiment différent. Là, on a des palmiers, des cocotiers et du sable avec de la mer. Donc, c'est vraiment pas pareil. Et puis, du coup, je pense que ce sera peut-être, ça donnera en fait un autre style à la vidéo, je pense. Un côté plus calme, plus posé, un peu quelque chose de paradisiaque entre guillemets. Mais le sujet sur le convoyage auto restera quand même le même, donc ne vous en faites pas. Donc, ça, c'est une chose. Autre chose, cette vidéo aussi, c'est une vidéo de remerciement. Pourquoi? Parce qu'avant mon départ, Olivier, qui est devenu maintenant quelqu'un de proche, Olivier, qui était le premier à avoir acheté ma formation, Olivier, dans mon dos, je le dis, avait préparé un coup pour mon départ. Enfin, je pense que lui savait, parce que c'était le seul à savoir, mais je l'ai dit à certains abonnés qui étaient venus me voir. Donc du coup, Olivier, qui s'est arrangé avec certains membres du groupe Telegram pour pouvoir m'offrir cette caméra 360 degrés, donc Insta 360. Et je remercie Olivier énormément parce qu'en fait, du coup, ça va me permettre de pouvoir faire certaines vidéos pour vous avec, avec ça. Donc, je pense que la prochaine vidéo, je vais tester, voir commencer. Mais du coup, franchement, Olivier, je te remercie beaucoup. Voilà. Donc, j'ai pas ouvert. Hein. Enfin, si, j'ai ouvert, mais c'est toujours cacheté. Il y a toujours le plastique dessus. Voilà. Je l'ai même pas ouvert. Je l'ai même pas encore ouvert. Et j'ai dit, je préfère officialiser ça quand je serai en Martinique. Et voilà. Et en fait, franchement, Olivier, il a assuré. Parce que faut savoir que ça, en fait, l'Insta 360 en fait permet de faire des vidéos en 360 degrés, mais en superbe qualité, mais vraiment vraiment en très très bonne qualité. Et du coup, je remercie vraiment Olivier pour ça, parce qu'en fait, si vous voulez, Olivier, c'est quelqu'un qui a vraiment la main sur le cœur. Malgré qu'il est dans son coin, qu'il dit rien. Donc c'est vrai qu'Olivier et moi, on parle très souvent sur Telegram parce que il me demande des conseils et tout, et puis il me propose certaines choses par rapport à certaines missions qu'il voit en fonction des plateformes. Donc du coup, il me demande mes conseils du moins par rapport aux années d'expérience que j'ai dans le métier de convoyage auto. Et du coup, il m'a offert ça avec certains membres du groupe Telegram, que je remercie d'ailleurs, je remercie tous, d'avoir écouté Olivier pour m'offrir ça. Et du coup, maintenant, je vais utiliser un peu de mon téléphone portable. Pardon, un peu de mon téléphone portable et un peu du Insta 360. D'ailleurs, je l'avais dit dans la vidéo, pour ceux qui ont acheté la formation, l'argent servirait à acheter une meilleure caméra. Et au final, j'ai acheté un meilleur téléphone qui a justement une meilleure caméra. Donc je remercie vraiment tous ceux qui ont participé à la formation. Vraiment merci beaucoup. Et merci aussi aux retours, parce que j'ai eu vraiment des retours positifs. J'ai eu des retours avec certaines améliorations qui ont été proposées, et ça aussi je remercie. Mais il y a eu vraiment des avis positifs sur la formation, et ça me fait plaisir. Donc du coup, je vais travailler sur la formation, peut-être ajouter d'autres choses
la mettre un peu plus complète pour tous ceux qui viendront et qui voudront de la formation. De toute façon, le lien de la formation est sur mon profil, enfin c'est sur la page YouTube avec le lien de Telegram, parce que beaucoup me demandent le lien Telegram. Le lien Telegram se trouve également sur la page YouTube. Donc quand vous allez sur la page d'accueil, sur ma page d'accueil YouTube, vous allez voir les deux liens sont là, le lien de la formation et le lien du groupe Telegram. Et pour tous ceux qui posent les questions, je vous invite vraiment à vous mettre sur le groupe Telegram parce qu'il y a vraiment toutes les questions qui sont posées là-bas. Et puis vous avez des gens comme Olivier, parce qu'il y a quelqu'un qui m'avait demandé, je crois, l'assurance. Je crois qu'elle s'appelle Lisa. Lisa. Donc Lisa, si tu vois la vidéo, tu peux demander à Olivier ou te mettre sur le groupe Telegram et Olivier saura te répondre sur les assurances à avoir, que ce soit l'ARC circulation ou l'ARC professionnel. Voilà. Donc du coup, c'est ce que je voulais dire. La prochaine vidéo, ou peut-être une vidéo après, mais la prochaine, enfin, du moins, la vidéo FAQ 2.0 est en cours. J'ai parlé avec tous les gens qui sont concernés et ils sont en train de regarder toutes les questions qui sont posées, les mettre par groupe pour pouvoir y répondre. D'accord? Donc normalement, vous aurez votre nom qui sera mentionné, donc le nom de la personne qui a posé la question. Votre nom sera mentionné et la réponse qui viendra avec. Donc le tout sera en vidéo. Donc ne vous en faites pas, c'est toujours en cours. Et puis voilà. Et puis n'hésitez pas à poser des questions. Même si vous avez des questions encore, vous pouvez les poser justement sur cette vidéo-là. Et je me ferai un plaisir de vous répondre. Donc voilà. Donc du coup, petite mise à jour. Donc je ne suis plus en France, je ne suis plus en métropole. Je suis aux Antilles maintenant, donc je suis en Martinique. Une chose. La deuxième chose, un grand merci à Olivier et à tous ceux qui l'ont traîné pour pouvoir m'offrir la caméra Insta360. Un grand merci à tous ceux qui ont participé à la formation et qui ont acheté la formation pour me permettre d'avoir un nouveau téléphone avec une meilleure caméra. Donc j'ai tenu parole. Et donc un merci à ces gens-là, merci à Olivier. Et puis voilà, aujourd'hui, je suis en Martinique. Voilà, donc cette vidéo s'achève. Je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Merci à tout le monde. Et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!